les préparatifs sont en cours. Oh, cette méchante scène. Cette famille, en fait. Hein? Cette famille, en fait. D'accord. Ta mère a pas arrêté de filmer hier soir, mais... Ça va être le feu pendant cet événement. Alright, I'm gonna show you guys. I'm in Bernie. Trust me. And me, I'm Mary. Oh, Mary, really? Oh, bien, si tu veux. Non, je peux me mettre comme ça, regarde. Qu'est-ce qui se passe, Florius? Keep the baguette. À vous pour vos retours. Voilà, c'est déjà le premier message à faire passer parce que franchement, c'était ouf quand on est descendu avec Skok Furious de notre desk là et qu'il y avait 15 personnes qui nous applaudissent et tout comme si on avait sauvé l'humanité et tout. C'était là. Wouh ! Je sais pas siffler. Wouh ! Excellent ! Excellent ! Les mecs, tranquille, on n'avait pas sauvé des gens. Hein, on avait pas, j'aurais bien aimé, mais non. Je veux pas me la raconter, mais les retours sont plutôt positifs. Hein, on a eu beaucoup de retours positifs. C'était un pari qui a été pris par Skok et Furious, le fait de m'intégrer comme ça sur le truc, dans le dispositif qui était déjà existant et qui marchait déjà très bien sur la Pro League. Et j'ai envie de dire, bah, pari réussi, quoi. Ça a été super enrichissant, c'était hyper cool. Et puis en plus, il y a une espèce de truc qui s'est passé au même moment, quoi. C'est que c'était à Paris, c'était un major, c'était le premier. Moi, je bosse dans le marketing à côté, vous le savez, je ne suis pas que proviseur de cette Salty Academy. Le boulot qui a été fait pour la mise en scène et tout, les mecs de Live Nation, bon, c'est pas n'importe qui, hein, Live Nation, bon, je veux dire, Jay-Z, tout ça, machin, truc bidule. Donc vraiment, il y avait un step-up de la part de sur la production. Alors... Beaucoup de gens m'ont dit que le Six Invitational était vraiment génial et de ce que j'en ai vu, puisque je n'y étais pas, c'était quand même effectivement très très propre. Mais là, c'était quand même une claque, quoi. Avez-vous remarqué que Zironic, Wilkie et Banky parlent du jeu? Ils en parlent bien, d'accord? Mais que le cast, c'est pas eux qui le font. Derrière, il y a Miloche, il y a Intero et il y a Kickstar. Donc Miloche, Intero, Kickstar, Wilkie... Banky, Zironic. Ça fait 6 personnes. Nous, on était 3. Et nous, on a fait le boulot des 6, en fait. D'accord ? Donc, on faisait et le cast et les analyses. Donc, on peut pas rester tout le temps. Il y a un moment où on a envie d'aller fumer une clope. On a envie de... C'est éreintant. Il y a Emzo. Ouais, alors MZO, Emzo. Qui s'en fout. Ouais, il y avait le... C'est éreintant. Moi, jamais j'aurais cru qu'au début c'était compliqué comme ça, que c'était aussi fatigant d'essayer de toujours réfléchir, de toujours avoir le flow et tout, de parole, de faire en sorte que vous vous ennuyez pas dans la salle. Voilà. Alors, le show match, c'était encore plus éreintant que la finale. Si vous me croyez ou pas, mais putain, faire des blagues, ça, c'est un métier. Pourquoi il n'y avait pas d'analyse desk, et surtout les mêmes qui sont pas ouf? Non, si, elles sont excellentes. Et là, ce je ne sais quoi que les autres n'ont pas. Très très bonnes. Elles étaient vraiment très bonnes. Moi, j'ai beaucoup ri en tout cas. Tu en penses quoi de Kanto? Kanto, c'est un monstre. J'ai pas arrêté de lui dire hier soir. C'est un monstre. Et c'est un petit con. C'est un insolent. Le mec, il a 19 ans. Il fait moi, je sais pas. Je devais partir en Challenger League avec NC. Et puis, ils sont venus me chercher. Puis, on a fait une prague. Puis, deux pragues. Et puis, je gagne un major. Ah, quand le mec te sort ça, tu vois, il est adorable ce mec. Il est adorable. Il est génial, il ira très loin. Et donc il y a eu un moment pendant le groupe stage où, eh bien, je suis parti aux toilettes. Et du coup, c'était plutôt pour une grosse commission. Et je suis revenu. Sauf que live avait déjà repris. Et du coup, j'avais pas envie que Skok et Fufu, au bout de 24 heures, se disent « Putain, c'est trop du cul, il arrive déjà en retard, il est même pas capable de faire un lancement correct quand on lui dit 10 minutes, il va nous prendre 15 minutes à chaque fois. » Donc j'ai dû me justifier. Ne trouvant pas les mots pour expliquer à quel point j'avais cette douleur, celle d'être arrivé en retard et celle que je vais vous expliquer dans 20 secondes, je l'ai écrit. Et j'ai donc marqué to the Salty Academy. Je me suis défoncé super, l'anus. Ton cast voilà. Avec Skok donc c'est ce que j'ai balancé, forcément, et ça a commencé à les faire rigoler. Et Skok a pris le truc, il l'a foutu sur la tronche de Fufu en disant
il s'est défoncé l'anus comme ça, alors qu'il était en plein au milieu d'une phrase, et forcément, pam pam pam, derrière c'était terminé, en PLS, en train de chialer. Alicia qui était partie en train de courir pour récupérer les mouchoirs, parce que voilà, parce que vous étiez 10 000 sur le Twitch, et qu'on peut pas normalement se permettre ce genre de truc, mais c'était absolument hilarant. Et sur Bank, je ne sais plus, mais le showmatch, c'est normal. Hein, si on explose de rire sur les showmatch, c'est parce qu'autrement, les showmatch, c'est cool, d'accord ? Mais quand les gens sortent au couteau dehors, tu peux pas vraiment caster, analyser les choses, vous comprenez ? Donc si on fait pas des blagues, on va un petit peu s'embêter. C'est un showmatch, il faut faire le show, les joueurs font le show, les casters font le show. Moi, c'est comme ça, c'est ma vision du showmatch, d'accord ? Et tu penses quoi du fait qu'au Major, ce putain de trou du cul de Jonas se permet de faire une interrogation ? Au contact, attention, Jonas qui est le premier kill avec Caméra, c'est Envy qui va tomber sous ses balles derrière Young qui arrive à se débarrasser de Goga. On envoie les smokes et le C4, pas de dégâts sur ceci. Et Jonas, le doublé sur Canadian, 4v3. L'interrogation de Jonas en finale de Major. Monstrueux ce qu'il vient de réaliser avec cet opérateur. T'en penses quoi de ça? On en parle ou pas? Une interrogation, d'accord ? Je ne remets pas mon soutien-gorge, j'ai mon clutch metteur, ok ? Calme-toi. Merci en tout cas à vous, vous êtes des monstres. 1051 spectateurs, ça me fait quelque chose vraiment de voir comme ça 4 chiffres. C'est ouf, franchement. Ça fait un an que j'ai commencé le stream avec la Salty Academy. Ça fait 6 mois que j'ai commencé avec Mary. Enfin, un an le stream, moi tout seul, et puis 6 mois la Salty Academy. Et en 6 mois, to the top. Mais on n'est pas rendu, ok ? On n'est pas rendu. Gotaga. On arrive. Ok, mon loulou, on arrive. Et on arrive sur un vrai jeu, tu vois. Pas un jeu avec des caddies. Pas un jeu avec des deltaplanes. Pas un jeu avec des cartoons. D'accord ? Pas un jeu qui donne l'impression d'être fait sur Switch. Un vrai jeu. Rainbow Six. Et tu y as joué hier. Et je suis sûr, Godard, que tu t'es dit que c'était LE jeu auquel il fallait que tu joues. Fortnite, c'est dépassé. Reviens. Viens. Viens. Viens jouer à Rainbow Six. Oui. Succès accompli, les gens me connaissent. Oh, j'ai accompli un succès, c'est la première fois sur Twitch. Le diffuseur est planté, il faut le récupérer, on a que quelques HP. 1v4. Est-ce que G2 va réussir à s'imposer ici? Ça semble extrêmement bien parti. Et c'est fait, c'est fait. G2, champion du Six Major, 3-0 face à Evil Geniuses. 6-2. Mais quelle démonstration! Magnifique, magnifique. Impressionnant ce qu'on vient de voir. Ils ont réussi à perdre moins de runes en grande finale qu'ils n'en avaient perdu en quart et en demi réunis. C'est G2. Ils ont ultra dominé cette scène du Six Major de Paris. S'imposant 2-0 face à Millennium, 2-0 face à Secret et 3-0 face à Evil Geniuses. Incroyable performance des hommes de Fabian aujourd'hui. Et très belle perf également de la part de Evil Geniuses qui n'a pas trouvé les solutions sur cette rencontre, mais qu'il faut féliciter, mesdames, allez, mesdemoiselles, faites du messieurs. Bruit, s'il vous plaît. Faites du bruit pour ce Six Major. Ladies and gentlemen, 6-2, G2. World champions, multiple Pro League champions, the first ever Six Major champions. G2.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous revenons pour vous saluer, vous remercier, vous dire au revoir après ce Six Major complètement fou ici en direct de Paris. Merci bien évidemment Furious, merci. Merci beaucoup. 6-4. Merci à toi. Ces castes de qualité, ces matchs de folie. Merci Régis et Régis 7 pour cette merveilleuse combinaison d'outils graphiques que vous maîtrisez à la perfection. À la perfection. Wow. C'était un plaisir de travailler avec vous pour la dernière fois de notre carrière, ça n'arrivera plus. Jamais. Merci bien évidemment aussi à Alphax, Robs et Dinero pour le cast du groupe Stage qui a été fait en parallèle de celui qu'on pouvait réaliser. Merci à Miloche de nous avoir accompagnés sur un des castes, c'était un réel plaisir, c'était cool, c'était une première et c'était à refaire, et ce sera à refaire, pardon. Merci à Ubisoft pour l'organisation de cet événement complètement fou. Bravo à toi, FX. On te félicitera de vive voix tout à l'heure dès qu'on le pourra. Merci à vous qui vous êtes rendus si nombreux sur cet événement. Merci à vous qui l'avez suivi sur Internet. Pour ma part, les remerciements sont terminés. Si vous aviez un mot, messieurs, à adresser, je vous en prie. Félicitations à G2 pour cette victoire absolument incroyable qui soit un peu plus finalement leur domination sur la scène Rainbow Six internationale. C'était une finale parfaite pour eux. C'est la fin donc de cette diffusion de ce Six Major à Paris 2018. C'était un événement complètement fou. Nous vous remercions encore une fois de l'avoir suivi. Passez une bonne soirée. On se retrouve très bientôt pour toujours plus de compétitions sur Rainbow Six et peut-être un jour un autre champion que G2. Pour l'instant, en tout cas, nous irons célébrer leur magnifique victoire face à EG. Bonne soirée, messieurs. Bonne soirée à vous. Rainbow Six is life.